À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors Éric, oui Stéphane, on commence avec ceux auxquels Pascal a rendu hommage en chanson. Bah oui, les fans, qui sont d'ailleurs souvent aussi à l'honneur dans l'émission favorite de Stéphane, Confessions intimes, c'est vrai. On envoie des fans là-bas, et pas du demi-fan, hein, parce que pour fabriquer un porte-photo de Claude François... avec une palourde de la paella que tu as mangée à midi. Non. Faut déjà être un bon fan. Tu sais les palourdes de la paella qu'on a mangée, la paella de Claude, là, vu qu'il aimait bien tous les fruits de mer, c'est le truc là, qu'on adore. Et alors? Je fais un petit montage dedans. Tu veux faire quoi? Je vais coller une petite photo dedans, quoi. Tu es malade. Faire un petit montage. Tu veux pas quand même mettre une photo dans un coquillage? Bah si, voir si on va faire bon. Eh bah dis donc. Y a rien de mal à ça, hein. Je rends hommage à Claude. Mais vie. Oh. Parce que les palourdes de Claude François, bah change de menu, fais un cassoulet, hein. Comme ça il fera un collier en récompense avec les restes. D'ailleurs j'en profite pour faire passer un message, vous avez fait une raclette ce week-end, vous savez pas quoi faire de vos vieilles croûtes de fromage, vous lui envoyez, il va faire une statue à l'effigie de Claude François. Alors qu'on fait son intime, c'est du vrai fan qui aime d'amour ses idoles, le plus aimé étant incontestablement Johnny Hallyday, hein, oui. Évidemment, il y en a même un qui apparemment a fait des enfants avec Jojo, enfin moi du moins c'est ce que j'ai compris, que Johnny avait été sa mère porteuse puisque sans lui il n'aurait pas eu d'enfants. J'ai basé ma vie, j'ai fait des enfants par rapport à Johnny. Si j'avais pas eu Johnny, moi, j'aurais pas eu d'enfants. Voilà, toujours avec Johnny. Bah, lui, c'est ma vie, c'est toute ma vie. Moi, je préfère être avec Johnny. Alors, nous on n'est rien pour toi. Si, si. Non. Après lui. T'en as rien à foutre de moi, si je comprends bien. Oui, voilà. Ouais. Mais y en a rien à foutre de toi, Johnny. Mais ça, tu n'en sais pas. Non, c'est vrai, tu n'en sais pas. Hein, ce sont de fausses abnégations. Hein, il parle comme Johnny, fan à Jojo, il parle comme lui. Et alors, le pire dans l'histoire sont les femmes des fans de Johnny Hallyday qui doivent supporter des trucs terribles, et notamment le fait qu'ils accumulent énormément d'objets, souvenirs, dans les appartements. Au point qu'il y en a une qui a déjà mis en place un plan pour se débarrasser de tout ce fourbi. Le jour où son mari casse sa pipe, elle case tout ce bordel dans son cercueil et bon débarras. Il restera dans mon cœur. Et personne ne l'enlèvera. Personne. Il n'y a que la mort qui l'enlèvera. Il n'y a que la mort. De toute façon, le jour où tu fermes les yeux, je te mets tout dans le cercueil. Hein. Moi, j'ai toujours dit une chose. Hein, le jour où je suis dans ma tombe, je veux être avec mon pantalon en cuir, mes Santiago, mon blouson à franges et mon coussin de Johnny derrière ma tête. Eh ben, c'est très bien, ça débarrassera les placards. Et lui, je crois que sa dernière volonté, c'est d'être incinéré sur Allumer le feu, pour être Johnny jusqu'au bout. Une chanson de Pascal Obispo, évidemment. On ne le dit pas assez. Justement, que Pascal compose aussi une magnifique chanson pour les autres. Par exemple, Savoir aimer de Florent Pagny, c'était vous. Chanson qu'on a d'ailleurs beaucoup entendue dans les castings de La Nouvelle Star sur D8. Et ça nous a rappelé que savoir aimer est une chose, savoir la chanter en est une autre. Écoutez-moi, cette interprétation magnifique de Florent Pagny à côté n'a aucune puissance vocale. Aimer sans prendre rien. Apprendre à aimer. Si quelqu'un pouvait la réveiller, s'il vous plaît. Aimer pour deux, rien qu'en fermant les yeux et apprendre à vivre. Et s'en aller. Oui, c'est ça, va-t'en. Oui, merci. D'autant qu'on a mieux dans La Nouvelle Star. Je souris à la mort, mais je saigne encore. Et nous aussi, on saigne des oreilles. Hein. Donc merci d'arrêter. Lui, je vous conseillerais plutôt de s'orienter vers une carrière d'alarme incendie. Pour ça, il a un gros potentiel, je pense. Tout comme d'ailleurs cette candidate du Juste Prix sur TF1. Écoutez, apparemment, il continue à donner de la drogue aux candidats. Faut arrêter. Nous accueillons Claudette Carré. Bonsoir, Claudette. Gagné. Il faut arrêter de la lacérer. Oui, oui, il faut arrêter de lui donner des coups de couteau. Hein. Là, il faut la laisser tranquille maintenant. Il ne faut plus la dépecer comme ça en plateau. Apparemment, elle apprécie pas. Elle a gagné une camisole de force. Très beau cadeau offert par le Juste Prix. C'est vraiment très reposant quand tu rentres du boulot. C'est rien de tel que le Juste Prix pour avoir mal à la tête. Ou alors, il y a encore mieux pour avoir mal à la tête. On peut aller chez le coiffeur dont nous a parlé cette candidate de la famille en or. Toujours sur TF1. Quel objet trouve-t-on à la fois dans un salon de coiffure et un magasin de bricolage? Un tournevis. Bien sûr, bah, les bigoudis, ça se fixe avec un tournevis, avec une perceuse électrique. Ah. Et la permanente, tu prends un fer à souder. C'est bien connu, monsieur bricolage. Et on termine avec la neige qui a provoqué la pagaille sur les routes de France ce week-end. Oui, et même, vous le savez, un accident de car près de Chambéry qui, heureusement, n'a fait que des blessés. Enfin, sauf d'après Claire Chazal, qui, elle, a évoqué un bilan, écoutez, assez particulier.
Les chutes de neige et les pluies verglaçantes ont déjà provoqué de nombreux accidents, notamment près de Chambéry où un car transportant des touristes russes s'est renversé sur une bretelle d'autoroute. Bilan 20 morts dont 3 graves. Bilan 20 morts dont 3 graves. Il y a eu 3 morts graves d'après Claire, parce que c'est vrai que des fois il y a aussi des morts légers. Hein. Mort léger, ça veut dire que t'es mort, mais moins quand même que quand c'est une mort grave. Donc c'est moins dramatique, nous voilà rassurés. Merci Claire. Sortie de route du prompteur aussi. Oui, la glace. Sortie de route là, de la part de la belle Claire Chazal.